Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Garry's Mod. Donc, bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais bon, c'est Tigrou de 181, c'est pas peine de le dire non plus à tous les coups. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un serveur Garry's Mod, c'est Prison RP de Team French, si vous voulez tout savoir. Donc aujourd'hui je joue les Miradors. Notre but ça va être d'empêcher les prisonniers donc de s'évader par la tour des Miradors. Et aussi de passer par la grande porte qui se passe par cet accès là. Donc on va abattre tous les prisonniers qui vont aller là-bas. On abat également tous ceux qui respectent pas les règles. Enfin bref, on fait le vilain policier en gros. Bon, pour empêcher donc les prisonniers donc de s'échapper, j'ai surtout commencé par faire une chose. Ça va être de fermer les portes. Personne n'y pense souvent, mais c'est souvent par là que les gens s'évadent. Et à chaque fois j'insiste pour dire fermer les portes, mais personne ne les ferme. Alors je leur dis la ferme, donc bonne de merde. Fallait que je la fasse. Donc ensuite on continue par là. On va fermer donc les 4 autres tours. Ça c'est nouveau, je sais pas compter. Hop là, on ferme cette porte là. Tac. On va aller fermer celle là-bas. Moi je vais passer par toutes les portes. Normalement, il me semblait qu'il y avait des... Ok, j'étais abandonné. Il y avait d'autres miradors tout à l'heure, mais bon, ils sont barrés. Merci. Merci de vous être barrés. Bon, c'est pas grave. On peut très bien gérer tout ça, quand même quand on est tout seul. Donc, on va aller fermer toutes les portes. On a fermé les 3 autres tours là-bas, on va aller fermer celle-là. Quelqu'un qui attaque les miradors, bah tiens donc. Ok, donc si quelqu'un attaque les miradors, ça c'est pas bon. Qui c'est qui attaque les miradors, sérieusement? Apparemment quelqu'un qui... Oh, j'ai entendu le bruit d'une porte. Est-ce que par hasard... Ah, ok. Ah bah. Oh, pauvre chéri, tu t'es écrasé. Bon bah, ça c'est ce qu'on attaque. Moi j'appelle ça une attaque ratée. Sauf que j'ai l'impression que je me fais tirer dessus depuis là-haut également. Oula, il se passe des trucs... pas très catholique. Ah, où est-ce que ça tient? Attaque Mirador. Attaque Mirador. Ah, ils sont barrés ou quoi ceux qui... Donc on va fermer. On va finir par fermer cette petite porte. Je vais aller fermer les autres portes qui permettent donc de passer par les grandes portes. Les grandes portes, ce sont là, c'est l'entrée principale de la prison, donc tout le monde essaye de s'évader par là, principalement. Donc on va aller fermer ça. Je surveille un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez vu tout à l'heure, enfin, j'ai entre guillemets battu quelqu'un parce que je lui ai tiré dessus, ça l'a fait tomber, il est mort en trouvant des échelles. C'est ce qu'on appelle tomber de haut. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire beaucoup de blagues et de jeux de mots. Je sais pas pourquoi. Donc pour ceux qui me disent oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais c'est parce que j'avais pas vraiment l'inspiration ou forcément le temps, mais là je suis en vacances et tout, donc puis j'ai des idées qui commencent à fuser. Donc ça fait. Donc apparemment la porte là est fermée, mais est-ce que la porte... Donc cette porte là elle a l'air d'être fermée, mais normalement il y a une autre porte. Faites rentrer tous les prisonniers dans les cellules. Bien sûr, on a un gars avec sa voix très aiguë et très virile en train de parler dans la radio. Bon, je vais rien dire parce que ma voix aussi elle est pas tip top. Donc je vais aller vérifier que les portes sont quand même bien fermées parce que... Et j'ai l'impression que quelqu'un qui essaye d'ouvrir une porte. Non. Oui, je sais, je suis psychomaniaque avec les portes, alors on a tout le droit d'être psychomaniaque avec des portes. Moi, personnellement, les portes, ben... j'espère juste que ce truc va arrêter de bloquer. Ça c'est bien fermé. Plus important, cette porte-là est... Bon, ouais, ok, cette échelle, j'ai oublié qu'elle était bloquée. Bon, on va dire que c'est fermé, hein. Ouais, il y a un mec, comment... Attends, je vérifie que je suis bien, ouais. Et comment il veut pas rentrer dans la cellule?
Il est dehors, près des pierres. Ne le tue pas, ne le tue pas. Non, non, je le tue pas. Fais-lui des sommations. Bah, moi je peux pas, moi je suis mirador, donc moi je suis au-dessus des grilles, vous voyez. Moi je le vois. En fait, je suis invisible. Et tire juste à côté de lui. Pour lui faire peur. Bah, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, mais il est pas parti. Bah, dans ce cas-là, t'appelles un admin. C'est ce que j'ai fait. J'ai tiré à côté, mais ça, il est pas parti. Oh. Ok. Oui, là. En fait, je crois que les deux personnes qui sont dehors, ils n'ont pas compris qui était là. Ah non, ça va, c'est parlé. Et c'est dans le droit. Alors, on va envoyer ça. Voilà. Peut-être qu'il va s'arrêter. Ah, bonjour. Donc, j'espère que tous les miradors sont sur la radio. De quoi ? J'espère que tous les miradors sont sur la radio. Ouais. Ok. Pour l'instant, je suis sur la radio, je vais dire où. Ok. Je suis sur la radio. Donc, je suis un petit peu enrhumé. Va te mettre sur la radio. Les miradors doivent être sur la radio. Moi, donc, là c'est le temps libre, donc les prisonniers sont censés commencer à sortir, donc ils vont peut-être commencer à tenter de s'évader. Pour l'instant c'est assez calme, bon, tout à l'heure il y a une attaque. Ça dure un clip que les prisonniers essayent de s'échapper, donc... Le mec il est tombé comme une merde dans les échelles. Mmh. Et là-bas j'ai quelqu'un qui est coincé dans la zone safe. Je suis un petit peu enrhumé alors qu'il fait très beau dehors, je sais pas comment je me suis débrouillé. On va le tirer dessus même s'il va pas dans la zone interdite. Si quelqu'un qui est armé, vous lui tirez dessus. Reçu. 36 avec son sac. Voilà, donc... Pour l'instant c'est très très calme, hein. Punaise. On est en vacances, donc je ne vois pas pourquoi il n'y a pas non plus énormément de joueurs. Je pense que... Voilà, mais bon. Je pensais que... Vraiment, il est censé avoir un minimum d'activité. Et c'est embêtant que personne là-bas soit bloqué. Bon, j'ai bien fait lui régler son problème parce que c'est... Ça me stresse de le voir bloqué. Attends, je vais débloquer. Ah non, bon. Ah, si. Je crois que je suis bugué. Je suis allé... Comment j'ai fait? Quelqu'un s'en est déjà chargé. Je sais pas comment j'ai fait. Qui ça est bloqué c'est... Bon, ah. Moi je suis bloqué, je sais pas, je suis... Sur le toit là. Enfin, j'ai... Et tu peux pas descendre. Non, je bug. Attends. Eh ben alors appelle la nanine. Merci. Ah, d'accord. Voilà. C'est gentil. Bon. Normalement on est censé être tranquille avec ça maintenant. Je suis pas censé faire ça, mais bon, quand je vois quelqu'un de bloqué, c'est plus fort que moi, faut que j'aille le débloquer. Parce que c'est stressant en fait de voir quelqu'un en train de fusionner avec un joueur. Ouais, je crois qu'il y a des joueurs armés à l'intérieur de la prison, hein, que les gardes viennent de tirer. Si jamais il sort, surtout, vous lui tirez dessus. Vous l'abattez. Quelqu'un d'armé dans la cour, monsieur. Vous l'abattez. Bien reçu. Quelqu'un qui essaye d'ouvrir. Il a essayé de crocheter une porte, monsieur. Bien. Dans ce cas-là aussi, vous abattez. Et bah alors s'il essaye de faire quelque chose, tu le butes, s'il essaye de crocheter une porte. Ah,
Oh là là là, c'est calme. Peut-être que ça va être plus mouvementé pendant le trait pénitentiaire, c'est dans pas très longtemps. Ouais. Je vais vous faire peut-être une petite visite guidée. Donc là, il y a les tours des Miradors. Donc c'est là qu'on va principalement être pour tirer sur les gens. Et surtout qu'on les voit bien. Donc c'est assez pratique. Ici, on a un petit escalier qui n'est pas du tout accordé avec la map. Qu'en fait, je pense que ce sont les admins qui l'ont rajouté parce que ça fait vraiment pas avec la map. Donc ici, nous avons la grande porte. La grande porte qui sert à... c'est l'entrée principale de la prison quoi, c'est pas plus compliqué que ça. Ici on a le un gentil monsieur qui s'appelle Jérémy pour acheter de la vie. Ici ensuite on peut descendre par ces gentils petits escaliers. Et donc pour ouvrir cette fameuse grande porte, normalement il y a cette porte là qui est fermée, je suis pas sûr d'avoir les clés. Ici, voilà. Donc ici il y a le petit panneau de commande pour ouvrir la porte. Donc ici c'est interdit aux prisonniers, donc si on en voit un on l'abat, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf si bien entendu la compagnie de garde ou qui est menottée. Ouais. Donc là c'est la fameuse cafétéria. La porte a été fermée, il pouvait pas. Vous l'avez abattu. Bah non. Ah. On peut pas l'abattre. Il était dans la zone interdite. C'est pas un prisonnier. Ah c'était pas un prisonnier, ok. Bah c'était le psychologue, donc nous on pouvait pas l'abattre. Non, ne l'abattez pas dans ce cas-là. Ouais, non. Donc là-bas on a la cafétéria. On peut les abattre que si c'est des prisonniers, même les docteurs on peut pas les abattre. Hein? Donc on peut voir qu'il parle très bien français. On est juste coupé la radio pour vous expliquer. Donc ici, il y a la fameuse cafétéria où il y a les vendeurs d'armes en temps normal, sauf qu'ils y sont jamais parce que ils ont pas accès à cette porte-là. Donc ils y vendent des armes quand ils peuvent y être. Donc ils y vendent de tout. Voilà, on a à peu près fait le tour du propriétaire. Préparé, on a la sortie et ensuite, après c'est dehors. Donc là, cette zone-là, ils ont pas le droit d'y aller, c'est quoi, ils veulent s'évader également. Et quelqu'un qui est en train d'attaquer les Miradors, donc j'ai vite fait bien fait allumer la radio et m'occuper de ceux qui attaquent les Miradors. Alors, elle est où la radio? Oh putain, j'ai 3000 trucs là-dedans, c'est n'importe quoi. Attention, attaque Mirador, redoublée de prudence. Les Miradors se fait tirer dessus. Abattez ceux qui vous tirent dessus. Je surveille pour ma part. Ok. Ouais. Où se situe-t-il? Allez vous soigner. Je vous couvre. Allez-y. Toi, allez me soigner? Oui, allez-y. Ouais. J'ai 13 de vie. C'est l'autre côté. Non, faut pas descendre. Faut que là-bas, il y a un mec qui te soigne sur le toit. Il s'appelle Jérémy. Ok. Il est gentil, Jérémy. Quoi, il y a un soigneur là? Il y a un soigneur sur les endroits des Miradors. Oui, si tu veux, je t'y emmène. Attends. Non, ça va, ouais, ça, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Viens, je te montre où c'est. Ah oui, ça va, oui, je vois où il est, ça va. Oui. Ça, j'ai vu, merci. Ok, coup de feu. Je le vois. Je le vois plus. Tu vous l'avais abattu? Pas moi, je vois pas. Attendez. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec la porte d'une Mirador. Bah, abattez-le. Parti, c'est bon. Ah bon, ok. Donc j'ai cru voir un corps gisé par là. Là on a un médecin qui fait joujou. Là on a un prisonnier. Je demande si c'est pas lui qui nous a tiré dessus. Alors fais bien attention, il tue les gens en 12 en fait. Je me demande si là-bas il est coincé lui aussi. On reçoit des coups de feu.
Il a reçu. De quoi? Ils viennent d'où? J'en ai aucune idée, mais et je reçois des coups de feu, je me suis fait tirer un peu dessus. Oui, ils font leur tour à 12. Non, mais il est où ce qui leur tire dessus? J'essaie de voir quand on le regarde pas et bam, une balle. C'est bizarre, je vois personne d'armée pour ma part dans la cour. Il y a quelqu'un, il y a un soldat qui vient de forcer une porte d'un mirador. Où ça? Oh, c'est le médecin. Oui, je la vois. Monsieur le médecin. Oui. On m'a dit qu'un mirador devait se faire soigner. Oui, bah allez faire le tour des miradors. Monsieur le médecin, on n'a pas besoin de vos soins. Mieux, il y a quelqu'un qui peut nous soigner là-bas. Oui, il y a Jérémy. Ah mais vous avez forcé la porte. Ah ouais, hein. Et quel brut, il sait que forcer les portes. C'est gratuit, moi, je veux bien. Merci. Au revoir. Allez. Je vais refermer derrière lui. Regardez bien. Partout, il faut leur croire douce. Hein. Hop, on attend que ça se referme. Voilà. Et on y retourne. Ça fait déjà 16 minutes que je tourne. Et c'est encore pas énormément passé de choses très intéressantes. Oui, j'ai refermé la porte. D'accord. Oh là là. Mais comment j'ai pu me débrouiller pour attraper un rhume de ce temps-là? Enfin, bref. Ah, promenade en bus. Donc normalement, ils doivent tous aller à la limite de... Comment? La sortie. Ouais, sauf que... Ouais, sauf qu'il n'y a pas de membre du raid, donc ça peut être annulé, je sais pas trop. On va bien voir. Ouais. Souvent quand il n'y a pas de membre du raid, c'est annulé. Ah bah, j'organiserai peut-être une petite promenade en bus un jour pour vidéo. Bah ouais. Là bon, on a un qui fait jouer avec son fusillon. Alors que je fais que de répéter que c'est interdit. Pour l'instant, personne ne veut rentrer dans les tours et personne n'est rien. Je vais vérifier les deux tours de mon côté. Oh, normalement, je les ai déjà toutes fermées à clé. Ok, moi je vais aller voir. Il y en a une qui est sécurisée et l'autre, je vais la vérifier. Ok, la mienne elle est fermée. Celles qui sont de mon côté sont fermées. Bon, je me suis pété les fous, donc je vais aller me soigner. Allez vous soigner. Les deux sont sécurisés. Il y en a un qui est en train de se giver une arme là-bas. Ça c'est pas bien. Donc, voilà. Les deux miennes aussi. Oh là ils là sont là. Sécurisés. Donc je vois que toutes sont sécurisées en fait. Il s'appelle comment? Attends. Jean-Charles Michel. Bon, Jean-Charles Michel se give des armes. C'est pas bien. C'est méchant. Si jamais il y a quelqu'un dehors de la prison, on doit le buter. Ouais. Ouais. Après là-bas il y a le toit, c'est pour les ennemis, et même le petit grillage là-bas aussi. C'est plutôt calme pour l'instant. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de gardiens de policiers que de prisonniers, c'est peut-être pour ça. J'ai vu des impacts de balles au sol dans la prison. Je répète, j'ai vu des impacts de balles au sol dans la prison. Ah. Ok, bah, que je te dis. Vérifiez si vous voyez pas des... Mais genre, mais moi je viens aussi. Si je vois quelqu'un armé, ben je lui... Ah là là. Bah 20 minutes, il s'est encore rien passé. Bon bah, pas grave. Ça ne devrait pas tarder. Ok. Deux gardiens qui viennent de mourir. Là, on a bien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui agresse le directeur. Oh.
par son malice. Ah, nous on doit pas intervenir quand c'est pour le directeur. Le directeur demande des renforts. Ah, il a l'air d'avoir des petits problèmes. Comment Mirador, nous, il peut aller voir s'il se passe rien, on doit rester ici. On doit rester ici. Ok, merci. Bon, 4 gardes qui sont morts d'œufs. J'ai un point sur l'entrée où il y a le directeur. Ok. Bah, si tu vois quelqu'un armé, bah tu n'hésites pas. Ouais. La fenêtre par contre est très petite. Je vois des impacts de balles, donc ça veut dire quelqu'un est en train de tirer. Ouais. À mon avis, le directeur va se faire attaquer. Ouais. C'est très 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 trop calme. Une fois que je demande qu'il se passe quelque chose, il se passe rien. Au revoir. Mais ils sont tous suicidaires, ces gardiens, ou quoi? Ça va pour l'instant, plus personne se prend des coups de balle. Disons que je courais, que je m'écrase par terre comme une... C'est quand même bizarre, il y a quasiment aucun prisonnier dans... Dans la cour. Ouais, d'habitude il fait, c'est plus ici, il y a que lui et ceux qui sont là dans la zone, mais sinon. Soit ils sont dans la zone de contrôle ou alors ils sont dans le truc du directeur. Une minute. Perceval. Je mettrai plus près du directeur. Dommage qu'il n'y a pas un passage pour que nous, on aille une visue sur toute la prison en fait. Attends. Je vois des impacts de balles. C'est très bizarre. Bah, ça veut dire qu'il y a eu des coups de feu. Ça, les impacts de balles, ça peut être quelqu'un qui tire, mais ça peut être... Il se passe un truc. Ouais. Super. Bizarre. On a mis la promenade ou pas? Mais Gvin, il est modo, lui. Ouais, j'ai une petite coupure. Je parle à ceux qui peuvent venir. Donc là, il s'est passé un truc, j'ai juste coupé au montage. Attends, j'en coupe la radio. Il s'est passé un truc, j'ai juste coupé au montage. Juste un petit dérangement. Donc je vais rallumer la radio. Voilà. C'est qui lui? Ok. Il y en a un gentil meute à l'intérieur, faudra lui dire d'aller protéger le directeur. Est-ce qu'il y a des forces de l'ordre sur la radio? Est-ce qu'il y a des forces de l'ordre sur la radio? Ah bonjour monsieur. Des miradors sur la radio. C'est mademoiselle. Ah mademoiselle. Excusez-moi. Il a une voix vachement crue pour une grave, je veux dire, pour à tous les officiers Mirador, je vous demande d'être tous à une tour, s'il vous plaît. Je veux un Mirador qui est à la tour la plus proche de la sortie, s'il vous plaît. Ici, c'est le chef des Mirador. C'est le chef? Non, c'est le Mirador. Ah si, c'est le chef. Oh, merde. Il est très sexy, le chef. Si on voit le directeur sortir avec des prisonniers qui le pointent, attends, on doit exécuter les prisonniers ou pas? De quoi? Attends, pardon. Repose la question, s'il te plaît. Que le directeur se fait attaquer, et si les prisonniers prennent en otage le directeur et ils sortent dans la cour pour essayer de sortir, est-ce qu'on doit les abattre? On verra ça en temps. Plus poser la question, c'est à moi de vous donner le voile. Jean Lemoutier, allez à l'autre tour derrière vous, s'il vous plaît. Derrière vous, là.
Donc lui, le chef est en train de parler. Enfin, la chef, la chef, la chef. Si quelqu'un essaie de monter dans les miradors ou bien qui passe la ligne juste en bas pour passer de l'autre côté pour la porte principale, vous la battez, d'accord? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a une arme? C'est mademoiselle. 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 Mademoiselle, si ils ont une arme, qu'est-ce qu'on fait? Vous la battez quand même. Voilà, vous la battez. C'est ça. Et si vous voyez un prisonnier en train de se battre avec un autre prisonnier, vous faites un tir de sommation. D'accord? Ok. Ok. Si récidive. Si récidive. Pardon? Ça veut dire quoi, tir de sommation? On tire à côté. Ah, et d'accord. Et s'il continue, c'est tir direct, c'est vous la battez, d'accord? D'accord. Vous la battez. Personne n'a une vue sur l'intérieur? Non. Ok. Pardon, personne à quoi? Une vue sur l'intérieur, la porte de l'intérieur, la porte d'entrée. Si, ça c'est moi qui m'occupe. Vous restez à vos postes, je vous ai demandé, d'accord? Regardez bien si les prisonniers essaient de s'échapper. On doit laisser aucune personne passer. Oh là là, ils partent tous en même temps, c'est n'importe quoi. Oh là là. Là, ils ont des voix très 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 très, très graves. Bon, juste je peux dire que la mienne elle est grave, mais bon, quand même, ça fait mal aux oreilles presque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui se bat là. What? Ah ok. Le mec il faut à tout prix qu'il grimpe sur le grillage. Prisonnier proche du mirador, essaie de monter dans mirador. Attention. Proche de vous, le plus éloigné de la porte là. Comment vous appelez? Regardez juste en dessous. Oui. Regardez bien. Non. Proche de vous là. Attention. Je crois que je l'ai vu. Regardez. Vous l'avez en point de vue? C'est bon. Ah, je crois abattu. Que je le... Très bien. Bravo. Et si un prisonnier frappe un policier direct? Il mirador. Il a arrêté. Tire de sommation. Fais un tir de sommation. Il a arrêté. C'est bon. Pas 10 000 tirs de sommation non plus. Hein. Attends, ça c'est bugué. Donner des noms de code. Moi c'est bien. Alpha 0. Georges. Oui. Alpha 1. D'accord. Si je vous parle, vous Georges c'est Alpha 1. En fait, c'est de 0. Si, je veux un peu de silence s'il vous plaît, je vous explique. De 0, on est combien? On est 4. On est 1, 2, 3, 4, ouais. De 0 à 3. Non, on va faire de 1 à 4. De 1 à 4, c'est le 1, il est le plus proche de la porte, c'est-à-dire moi. Après, c'est Georges. Après, c'est qui est le plus proche de la porte? Moi, j'ai une visée sur la barrière, voilà. En fait. Dorian, c'est Dorian, vous êtes Alpha 2. Dorian, vous êtes Alpha 3, c'est celui qui est derrière. Bien. Il y a des prisonniers qui sont en train de taper un garde. Bah, non mais c'est bon, le garde s'en est en charge. Wow, il parle très bien français. On a le directeur en otage. Enfin, il écrit très bien en français. Faut pas dire je fais pas mieux, ah mais bon. Excusez-moi, pardon. C'est plus fort que moi. Bon,
vous voulez que je mette Alpha 2 Dorian aux terrasses? Attention, silence s'il vous plaît sur la radio, s'il vous plaît. Ici, il y a que moi qui donne des ordres sur la radio, attention. Alpha 3, s'il vous plaît, ayez un point de vue sur prisonnier qui essaie de s'échapper de la ligne, là. Qui essaie de passer la ligne. Okay. Attention, à toutes les unités, il y a un policier qui va passer avec un prisonnier qui rentre dans la cour, là, par la porte principale. Attention, ne tirez pas. C'est merci. Y a-t-il des prisonniers qui se battent? Je donne des ordres à mes hommes au Mirador, si jamais, parce que j'ai dit d'abattre tout le monde qui ouais, passe je sur vois. La zone. Donc là. Sinon... Pourquoi que tu parles, voilà, je surveille la porte de chez... Je la ferme. Je suis en train de fermer. On fait un peu de silence. Je il y a des coups de feu, il y a des coups de feu. Des coups de feu. Des coups de feu. Tu vois où ça, où ça des coups de feu. J'entends un bruit de voiture. Attendez, je vais voir. C'est le bleu, je crois. C'est un bruit de voiture, c'est sûrement la voiture de mon collègue. Ou alors le bus, peut-être. C'est moi qui ouvre la porte, ne tiens pas. Tout le monde doit aller travailler, tous les prisonniers. C'est ouais. Que les prisonniers l'entendaient. Oh là là. Vigilance au maximum. Si vous... Gardez bien toutes vos tours si on peut grimper. Hein. Ah là, c'est très pénible, donc c'est là qu'il reste d'avoir plus d'histoires à régler, plus d'histoires à régler en tant que Mirador. Ah c'est ok. Dans tous les cas, je vois quelque chose de suspect, rentrez dans vos tours, ne vous inquiétez pas, je vous informe. Ok monsieur. D'accord. C'est mademoiselle, je vais pas le répéter. D'accord mademoiselle. Mademoiselle. J'adore de cheveux bleus, la petite couleur blonde et tout ça. Enfin, non mais. Oh, suicidaire! Ils ont tous envie de se suicider aujourd'hui ou quoi, les gardiens? Il y a des coups de feu. Personne qui respecte la tâche. Là. Moi je suis dans la tour de plein de gars. Là. Personne ne respecte la tâche quoi. C'est la tour la plus éloignée. Anthony, Anthony, ouvre ta radio et va demander à la dame, non pas à la mademoiselle qui va essayer de monter dans une dans la tour dans une tour. Oui, j'ai vu une porte de tour ouverte. Alpha 2, il y a quelqu'un à votre droite qui va monter sur une tour. Voilà, attention, il est abattu. Non, il abattu. Je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à viser aujourd'hui moi. Ils étaient deux. Non, la porte c'est interdit, il faut la laisser ouverte. Normalement, une porte c'est ouvert normalement. Elle doit rester ouverte cette porte. Ah d'accord. Interdit de fermer les portes. D'accord, j'étais à deux en train de monter. Ils ont le pic la porte, vu qu'ils avaient le pic de la main. Alpha 3, beaucoup de mouvements en dessous des tours là, attention hein. Ils essaient de monter. Oui, oui, je suis en train d'observer. La tour où vous...
Ouais, observez bien alors, s'il vous plaît. Il y a... Ah ouais, il y en a un petit vite. Pour la fin, ils travaillent plus ou moins tous. C'est bon. Ah, on entend un chien. Ah, oh, je crois une vidéo où je jouerai chien des guerres, si vous voulez. Ça va, plus personne n'essaye de monter sur toi des tours. Non, 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 pas du tout. D'accord, merci. Il y a quelqu'un près de ma tour, je suis en train de prendre. Attention, qui... Où ça? À l'intérieur de la grille, ça bute ou pas? Abattez-le. Oui, bute. Il a une arme. Il faut abattre. Bordel de merde. Ouais. Abat-le. C'est qui, là? Il est où? Je sais pas, devant la grille, en fait. C'est à l'intérieur. Non, mais ça aide... Merci. Petit chien mignon qui va rentrer dans la queue. Qui va rentrer par la porte principale. Parce que par ça, ce serait pas bon. Il y a beaucoup de personnes, vous voyez, à la grille pour rentrer. Il y a beaucoup de personnes qui y sont. Oui. J'ai aperçu un mec qui a plus de temps. Surveillez bien, je vais aller ouvrir le au chien lion là. Bien reçu. Écartez-vous s'il vous plaît. En dessous des grilles, il y a quelqu'un qui a le pic qui parle à un autre chauve. Il a le petit chien. Attention. Non mais c'est moi, bordel de merde. Ok, bon. Allez, gens. J'ai quitté mon pote, je vais me soigner là. Ça va sur le sol. Oula, bah, il s'est passé un truc là. Bon, bah, ok. Bon, bah, c'est la fin. T'es qui m'a tué? Ok, c'est Sully Yaffa qui m'a tué. Bon bah c'était une petite vidéo en tant que perdant. Il serait pas passé grand chose quand même, mais y a le chien qui fait ouf ouf. Ah, un chien qui vole, voilà. Le chien il a volé. Donc c'était une vidéo où je joue Mirador sur Prison RP. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, tout ça. Faites des commentaires, vous pouvez aussi faire des commentaires négatifs, c'est pour si tu manques que ça reste constructif, etc. Bah voilà, bye bye à vous.